Parle-nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Sonde-nous, Seigneur. Parce que nous avons un seul objectif, c'est de vivre comme toi, de marcher comme toi, de parler comme toi, en bref, d'être comme Jésus. Seigneur Dieu bien-aimé, il n'y a pas un autre chemin qui a été pourvu que venir au moyen de ta parole, Père. Inspire ta parole, Père. Parle par nous. Écoute par l'auditoire. Seigneur Dieu bien-aimé, que tu viennes au-dedans de nos vies, que tu puisses briser nos vies, que tu puisses nous donner, Seigneur, le contexte dans lequel nous devons vivre aujourd'hui. Merci, notre Père. Merci, notre Dieu. Bénis la parole que nous allons lire pour ta gloire. Genèse 45. À partir du verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils et de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est en toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Benjamin kujila hajikaya jenda. Kunshingwenda.
Il embrassa aussi tous ses frères. En pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sombai Haj. Donc, je ne fais qu'introduire. Comme nous devons venir le soir, je vais parler aussi un petit peu le soir. Mais ça sera le thème pour le jour à venir. Joseph, notre sauveur, ce sera sur cela que je vais parler. Ce sera le grand thème aujourd'hui. Vous vous rappelez, j'ai déjà prêché chez Joseph. J'ai parlé sur les songeurs et ses songes. J'ai parlé sur Joseph, l'amour, la foi et le pardon. J'ai parlé sur Joseph, Manassé et Ephraïm. Aujourd'hui, nous allons essayer d'introduire quelque chose d'autre. Espérons que Dieu, par l'évangile, va sonder nos vies et va nous parler. Parce que je crois de tout mon cœur que nous ne sommes pas venus à une religion. Nous ne sommes pas venus à une religion. Nous ne sommes pas venus à une religion, mais nous sommes venus à la vie éternelle. Et Frère Banam dit que la vie éternelle, c'est le connaître lui. Et lui, il est la parole. Amen. Amen. Donc nous avons remarqué, quand nous avons parlé précédemment sur Joseph, que ses frères voulaient détruire tout ce que Dieu avait parlé dans la vie de Joseph, parce que Dieu avait parlé avec Joseph. Ils ont dit, voilà le songeur qui vient. Venez, prenons-le, tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alors nous voyons que le plus grand problème était le songe de Joseph. Il voulait détruire cette vision-là. Il voulait détruire tout le plan que Dieu avait établi dans la vie de Joseph. Et nous savons que si Dieu a un plan avec quelqu'un, personne sur la terre ne peut le détruire. Amen. Amen. Est-ce vrai? Le plan que Dieu a pour vous, il est éternel. Tout ce qui peut venir, ils viennent en dehors de ce plan, ne peut pas réussir. David avait reçu l'onction pour venir sur le trône. Avant que David ne se mette sur ce trône-là, personne ne pouvait nuire à David. Et nous savons que chacun de nous est venu sur cette terre dans un but. Et avant que vous n'ayez atteint le but de Dieu, il n'y a rien qui puisse vous arriver, même pas la mort.
Vous ne pouvez même pas mourir. Oui, là, là, je m'en avant d'atteindre le but de Dieu. Parce que le but de Dieu sont les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont éternelles. Dieu n'a pas le plan A et le plan B. Amen. Amen. Dieu n'a que le plan A. Nous, nous avons le plan A et le plan B. Nous avons le plan A et le plan B. Mais Dieu n'a pas le plan A et le plan B. Moi, je dis, si le plan A ne réussit pas, je vais venir avec le plan B. Mais Dieu n'a qu'un seul plan. Et cela doit réussir. Alors ne vous en faites pas. Les choses que Dieu a préparées pour vous, elles arriveront certainement. Amen. Amen. Je ne crois jamais que Dieu m'a créé sur la terre pour une défaite. Dieu m'a créé pour réussir. Et quand vous devez réussir, c'est le plan A pour vous. Et il n'y a pas le plan B. Amen. Amen. Ne dites jamais que ce qui m'arrive ici, Dieu ne le savait pas. Dieu le savait. C'est le plan de Dieu. C'était prédestiné. C'était préparé. Dieu savait que cela allait arriver jusqu'au moindre détail. C'est le plan A. Il n'y en a pas deux. Quand il vous a créé, il savait par où vous passerez. Maintenant, remarquez. Quand Joseph est avec ses frères, oh, que Dieu m'aide à creuser un petit peu, une petite chose ce matin, le reste nous allons voir. Maintenant, quand ses frères sont venus. Ils ont pris Joseph. Ils ont vendu Joseph. Vous connaissez l'histoire. J'ai parlé de cela maintes fois. Ils ont vendu Joseph. Ils ont mis Joseph dans le puits. Ruben est venu. Il a dit non, il n'est pas bien que nous puissions tuer notre frère. Il dit maintenant, il n'est pas bien que nous puissions le tuer. Jetez-le dans cette citerne. Et ne mettez pas la main sur lui. Ça, c'était Ruben. Il avait l'intention de délivrer son frère. Mais les autres avaient l'intention de le tuer. Alors ils ont comploté ensemble. Ils ont pris Joseph. Ils ont mis Joseph dans le puits. Et ce puits-là, c'était le puits dans lequel on venait avec les brebis pour les abreuver. Mais vous vous imaginez que ce jour-là, quand on met Joseph dans le puits, le puits était vide. Oh, ce n'était pas un hasard. C'était Dieu qui avait préparé cela bien avant la fondation du monde. Dieu savait que lorsqu'on le mettra dans le puits, le puits sera vide. Parce que s'il y avait de l'eau, l'eau allait tuer Joseph. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. Le plan de Joseph allait s'accomplir en Égypte. Et Dieu cherchait comment amener Joseph en Égypte. Maintenant, les marchands
méchants sont venus, ils ont pris Joseph, ils sont allés avec Joseph en Égypte. Le voilà en Égypte. Il est passé par la maison de Potiphar. Il est passé par la prison. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est passé par la prison. Et de la prison à la gloire. Le chemin pour aller en haut est en bas. Il fallait d'abord que Joseph descende pour venir monter après. Vous ne pouvez pas monter si vous n'êtes pas d'abord descendu. Frère me dit que le chemin d'en haut est en bas. Je résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Si vous voulez être élevé, commencez par vous abaisser vous-même. Amen. Amen. Il est en prison. Oh, mes amis. Regardez quelque chose ici. Il est devenu le seigneur de l'Égypte. Il est devenu le père de Pharaon. Il a le droit de la vie et de la mort entre ses mains. Il peut décider aujourd'hui que tu meurs, tu vas mourir. Il peut décider aujourd'hui que tu vives, tu vas vivre. Il a le droit de la mort et de la vie entre ses mains. Il est puissant. Il est maître de toute la terre. Il est père de Pharaon. L'Égypte a peur de lui. Pharaon a peur de lui. Personne ne peut s'approcher de Pharaon s'il n'est pas passé par Joseph. Il était un don dans cette famille-là, un don qui n'était pas reconnu. Si vous ne reconnaissez pas votre don, vous êtes prêt pour aller en esclavage parce que vous n'avez pas reconnu le don. Mais si vous reconnaissez le don, vous êtes prêt pour la délivrance. Si vous reconnaissez le don, rappelez-vous mon message, le bienfait de reconnaître le don que Dieu a placé au milieu de vous. Quand les enfants d'Israël n'ont pas reconnu Moïse, ils ont connu 30 ans supplémentaires en Égypte. Dieu ne peut rien faire pour vous jusqu'au moment où vous reconnaissez le don que Dieu vous a envoyé. Toute cette terre que vous voyez, elle va aller en tribulation pour ne pas avoir reconnu le message que Dieu a envoyé en ces derniers jours. Maintenant, Joseph est en Égypte. Il est le maître de toute la terre. Alléluia. Alléluia. Il est le roi de toute la terre. Maintenant, la Bible me dit, quand ce temps-là, il y a eu la famine. La famine. Et c'est la famine qui a fait que les enfants d'Israël en Égypte. C'était à cause de la famine. Mais laissez-moi toucher quelque chose ici. Un petit quelque chose et je vous laisse partir. Quand les enfants d'Israël sont en Égypte. Il y a la famine. Vous savez que Joseph a eu ce songe qu'il a interprété. Maintenant, ce songe, il y a eu 14 ans, 7 ans où il y avait l'abondance, et 7 ans où il y a eu la famine. Est-ce vrai?
Maintenant, les enfants d'Israël, à cause de la famine, Bwanzala. Jacob dit à ses frères, Jacob, est-ce que vous êtes seulement ici, vous restez ici, nous allons mourir, vous ne pouvez pas aller en Égypte pour chercher la nourriture. Ils sont maintenant en Égypte. Joseph le reconnaît. Maintenant, voilà cette chose. Joseph, Joseph a été d'abord vendu. Il avait 17 ans. N'est-ce pas? Simon. Quand il sort de la prison, il sort de la prison, il avait 30 ans. C'est que il a fait 13 ans en prison. À cause de la jalousie de ses frères. La jalousie, c'est quelque chose de très mauvais. Moi, je crois que quand on parle de la sorcellerie, la vraie sorcellerie, c'est la jalousie. Il a fait 13 ans en prison à cause de la jalousie de ses frères. C'est la jalousie qu'il a envoyé en prison. 13 ans. Maintenant, quand il sort de la prison, il dit, il y a 7 ans d'abondance où il devait garder la nourriture. 7 ans d'abondance. Abondance. 7 ans. Maintenant, il parle avec ses frères. Il leur dit, maintenant, il y a encore 5 ans qui restent de la famille. Parce qu'il devait y avoir 7 ans de la famille. Maintenant, il y a encore 5 ans qui restent. Ceux qui nous ont déjà consommé 2 ans. 2 ans de la famine. 2 ans. Est-ce que vous voyez? Maintenant remarquez. C'est que depuis que Joseph est allé en Égypte, il s'est passé 13 ans qu'il est en 7 ans d'abondance qu'il a prophétisé. 2 ans de la famille. C'est alors que ses frères viennent en Égypte. Après 22 ans. 22 ans. 22 ans. Rencontre avec ses frères. Qu'est-ce que vous voulez dire, prédicateur? Je vais vous dire quelque chose de très sérieux. 22 ans! Ils avaient déjà épousé des femmes. Ils ont eu des enfants. 22 ans, c'est toute une vie. 22 22 ans. J'ai dit combien? C'est la première fois qu'il rencontre Joseph sans savoir que c'était Joseph. Après 22 ans.
Ils ont gardé un mensonge dans leur vie. 22 ans qu'ils ont menti leur père. Que Joseph a été déchiré. Pendant 22 ans, ils ont empêché un confesseur dans leur vie. 22 ans, partout où ils allaient, ils ont entretenu un mensonge. Ils ont dit à leur père, Joseph a été déchiré par une bête sauvage. Leur père a fait le deuil. Leur père a tenu le deuil. Pendant 22 ans, ils étaient là. Ils ont pleuré avec leur père. Mais ils savaient que Joseph n'était pas tué par une bête. Que Joseph était vendu. Ils ont laissé croire à leur père que Joseph était mort. Joseph vraiment foi. Pendant 22 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? 22 ans de mensonge. 22 ans qu'ils ont caché leur vie. 22 ans. Ils pensaient toujours qu'ils étaient des patriarches. 22 ans. 22 ans. Ils pensaient qu'ils étaient toujours chrétiens. 22 ans. 22 ans. Je ne parle pas de Joseph. Je suis en train de parler de vous. Combien de choses avez-vous cachées dans votre vie? Combien de choses avez-vous gardées secrètes dans votre vie? Je vous disais, Joseph, 22 ans. Joseph, ses frères disaient, il est mort. Mon foi. Il est mort. Mon foi. Il est mort. Mon foi. Chaque jour, ils voyaient leur papa. Matugosawa mon tatouabo. Se réveiller. Ujuka. Commencer à pleurer Joseph. Ubangoje Joseph. Oh Joseph, mon fils. Hey Joseph, wani. Je ne sais pas ce que je dois faire. Chene machinyi mwakwenza. Ruben voyait son père pleurer. Lube le mutai la tatouendo. Juda voyait son père pleurer. Yota mutai la tatouendo ujila. Levi voyait son père pleurer. Yota mutai la tatouendo ujila. Il voyait leur père pleurer. Oh suba mutai la tatouabo ujila. Jabilon voyait son père pleurer. Zangulo le mutai la tatouendo ujila. Azer voyait son père pleurer. Azer mutai la tatouendo ujila. Personne n'avait le courage de dire à son père. Sumo mukayini jikimanya. Non, père. Joseph n'est pas mort. Joseph dit mon foi. Nous l'avons vendu. Nous avons amené l'argent. L'argent est dans cette maison. Pendant 22 ans, il ne pouvait pas arriver à dire la vérité. 22 ans, ils ont marché avec un péché dans leur vie. Avec un péché dans leur cœur. 22 ans, il faisait les services religieux. 22 ans, ils allaient à l'église. 22 ans, ils payaient leur dîme. 22 ans, ils chantaient à l'église. Ils criaient à l'église. Ils sautaient à l'église. C'est ne pas chanter. C'est ne pas crier. C'est ne pas payer la dîme. C'est être en ordre avec Dieu qui compte dans la vie. Voilà. 22 ans. Mes amis. Balon d'abord. 22 ans. Sœur, 22 ans. Moi, les trois bagages. Vous avez des secrets que vous avez. Frère, 22 ans.
Vous pouvez paraître comme un bon. Vous pouvez paraître. Vous pouvez venir à l'église chaque jour. Vous pouvez chanter dans le choral. Vous pouvez participer à la grande convention 2008. Ce n'est pas la convention qui va vous amener au ciel. Ce n'est pas la chorale qui va vous amener au ciel. Ce n'est pas le fait de payer la dîme qui va vous amener au ciel. Mais 22 ans d'une vie impure et non confessée. Les frères de Joseph gardaient ça. Tout le monde sait que quand vous venez ici, vous êtes chrétien. Tout le monde vous voit quand vous venez ici, ils savent que vous êtes un bon garçon. Mais vous avez vos 22 ans. Où il y a des choses cachées. Où il y a des trucs dans votre vie. Il y en a qui viennent même à l'église avec des fétiches à l'église. Il y en a qui viennent à l'église avec des livres de talismans. Pendant 22 ans, ils n'ont jamais dit quelque chose à ce sujet-là. Ils avaient un secret qu'ils gardaient entre eux. Il n'y avait que eux qui avaient comploté pour vendre Joseph qui connaissaient ce secret-là. Ils ont gardé les secrets entre eux-mêmes. Mais écoutez mes amis, au lieu que ce secret soit révélé au trône blanc, laissez ce secret être révélé maintenant par la parole de Dieu. 22 ans, il paraissait des chrétiens. 22 ans, bonjour pasteur, bonjour pasteur, chisa kamuzu. Bidi mama kumia bidi ni bibidi. Matuko suba tuturu mikanda ya zambi tuwa inu zambi. Ngai ben ngai mama sangish. Bidi mama kumia bidi ni bibidi. Bale mabwale munda. Baha na mwana hapa. Kwa la pechila amba kuto mumashi. Kuto minetato hapa. Na stisu wajikem. Bwale bari buba tuchila amba. Bari bambi letato hapa ni. Anji tangile tu nchila amba cha mwane ebanyi. Beze buba hangi. Beze buba cha ule wakaba. Tuliba ule chila ambechi. Tuliba sanga na mashi. Anji tangile tu nchila amba cha mwane ebanyi. Baji ingeta tu hapu. Bamanyo bimpane. Mbamu angata. Bamu pana. Banga tichila amba. Bato mumashambush. Joseph mumana kuvan bayaye ni chilamba bapeshe patwabu anji tangile tubano chilamba cha Joseph wani tata abudu nzulu chilamba tangile umwana mipele vuku chilamba yeni si Joseph wani Joseph mumana kuja kujinyama walonji tata abubanga mwaji Bobo betangila, bama na mudi tatu wabu dila mwadi, bama na mudi tatu wabu teka majuni, bama na mudi tatu wabu dikengeshi, bama na mudi tatu wabu vwale bila amba bika ya bala mchimono. Bama nye bimpa ni Joseph kimu foto, tunipa pana Joseph. Bama nye munda mwamiyo yiyabu. Udi mwa kujina bantu kadikuwa kujina zambiraji. Zambi mumenye chini munda mambo yuwebe. Mumenye malu masoko kadi na munda mambo yuwebe.
but if you Bobo Habo Badili. Joseph Wan was Bobo Joseph Wait. When I'm Dr. Wait. Never mentioned Bobo Badili because I've been Bob. Borkin Bodjili Bicolato. Borkin Bodjihanda Bilambato. Borum Bodjihanda Boyu Amunda. Borum Bodjitangila Boyu de Munda Moepa. Bidji Mumakumia Bidjini Bidji. Nous devons le mentionner dans la bête. Bidji Mumakumia Bidjini Bidji. Jour pour jour. Bantoua Boba Fouba Bika. Bamanini Joseph Tetu de Bamouhan. Bamaneta toi bumu wata bilamba bika yabal. Bamaneta toi bujila majilu. Bamaneta toi buke ngakan. Bamanya bim kwechi di bubez. Mwayu wabu mwamanya bim. Jiba josi di vuta toi bujila majilu. Bafu bafu luka ni tudiba hana Joseph. Biji mwama kumia bitini. Mais nous montons à la mort du monde de maman. Bidi mouma koumia bidin bibidi. Bidi mountou kacha wajin. Kacha wajin. Mouka jika kacha wajin. Wameni to. Hamba mouna koujiba kaya koumvouni mbouji wanyo mou uveka yinenda to. Mumanye bimba. Ukadi mulele bana jikumi. Bani makumi apichi. Mulama sekre. Munda mwamoy. Mulama sekre. Wamini mimu ambe bubu wali di baka jididifu. Mbile nga di baka jifu uye mujuru. Kekwekale nga di baka kuyo mwifermi. Bwana bantu babuni kimba shadi kani julu juju kuto. Bantu mbalo kwe religion. Kuni diferansa entre la religion ni julu mbintu bibidibishe langana. Religion wudi mwakuna mwa religion kwenze religion web. Religion kakuku sumileto. Tadi rumo mfunga kule ni frere wajitu kwa halimabe. Mumbi kila zimista tadi dole, komite kwa. Mutu mumanyini, hanji nyapa, nyaya kajimu. Nyaya kajimu. Chindi nachume mabualu, bansulu la mchanani. Nyaya kajimu. Hadibamu mpatu kwa nmushu kwa mbile, maalabi njengambe nga hai mudisanshidi kwa hapo. Njengangata munga jani yao, mpingashi. Uduji nganganyi. Ujuji nga we wanka yebe. Bwalu julu juju na yenaji, njeba we wanka yebe. Kakwene iglize na asho umo habu loba, uji uji misha mpekatu ya bantu nashi. Pekatu badiba yijumisha kujuji ijavami. Pekatu badiba yijumisha kuni masha Yesu Christ. Mashi nchenga ni mashi mukenji wa yibamulo. Uni mwaku shanje iglize muji musu. Uni mwaku shanje bitendelelu muji musu. Kushanje ba pastor muji musu. Neba kukole shekumoyi kutiba pastor. Neba kwa mle ni kabia nene buwa luto. Wewe umumana kule hok. Kabia nene buwa luto. Kabia nene nchiribibe nzeto. Nchiriba pastor ba kwa mbin. Jiba jalufu lweba. Kini washadika nipofuba kushima. Bwali jiba jalufu lweba. Kini wamana ni mwai weba. Uyaya mwifemu. Biji mumakumia biji ni bibiji. Bidi muntu mwakula mabwari munde. Seru nilibante eleja. Nilibu mfubintu bini namba. Bidi muma kumia bidi ni bibiji. Kusele babakashi. Kulele bahana. Munde mwabwamba janu bamanyi.
Adiba manana ni Joseph. Buriba mbele Joseph nubepika beba. Tufuko atatu wetu. Bantu jukumu nubabiji. Mbo wetu kenoko. Wume wabu jibu bambeni kena kwa wun Joseph. Mwima na kumpala kwa abu. Kamba mwini bukola kwa kwamba ni wume wetu tuwaka muhana to. Mwini mwuma kumyadi ni nibibidi. Badiba tuunuka, tongi jadika, kumesu kwa Joseph. Ni wume wetu kena kwa. Kamba yu mwa kwamba ni wume wetu tuwaka muhana to. Havubu bejina, mashimia wabwele tonu mumechi mwa Joseph. Wini mwa kujina bantu kwa kujina zambi nashi. Zambi mumanye chitu chosi chini munda mama yuwe. Bahiga bega, tumunzu bumatatum, bantu jiku mwividi. Uma wetu kenoko. Njibu mbanya ni havu bamba ni uma wetu kenoko. Baka abu nashu bafweke shibiso nje. Hei uma wetu kenoko. Uma wetu kenoko. Kata mba mbanya nashu ni mwye kwe. Bana betu. Malu wa Zambi. A dit à exiger sincérité profonde. A dit à exiger sincérité profonde. Zambi wanda du kufandi bilamba di ebato. Kadi handa mo yueba. Kufandi bilamba to handa mo yu. Bidi mama kumia bidi ni bidi. Njini nsiste. Toni njime jini mkumpala kwa Joseph. Kimbanje kutonda to. Kimbanje kumanyene chitu vubenza chinchibito. Kimbanje kumvane tuvubapa na mwane. Tuvu papa na jifo jetu. Bavubika na mukana. Aktivite ya buyenda bimbe. Malu wa buyenda bimbe. Benzebi bivita bimbe. Benzebi abe bivita bimbe. Basanka bachonko moka. Boli diba juju usanka. Uchonko moka. Udufo moinu tuwenze bubi. Bidibi kengele ni Zambi atuma nzala. Bwa nzala ikufele refleshir. Nzala kichibu wakazio uvu Zambi muzulula munda mwabana ba Joseph. Bwaba fika la veritable repentance. Okazio uvu Zambi muzulula. Tene jayi bani beto. Tane la ibantu binabe. Bana babu ni Joseph. Bafo bantu babu shindukani. Nubasa kumani bafo bantu babu shindukani. Tane la Levi. Chivuchi samba. Chivuni sacerdoso munda. Jiba di mwazambi. Mufuka Levi. Uvu mufuka Levi. Bayikala sacerdoso munda mwenda. Tangile Juda. Le sceptre ne se lonera pa de Juda. Juda. Uvu mufuka. Bayikala mukalemu. Ikale chisamba chila jichaba kalemu. Kibwa lukai tulitumane ni Yezu. Wapa tukidimu chisamba cha Yuda.
tant le levier. Moi, ça me levé. Moi, je me levé. Levier. Bantoua, ba! Dis comme une babidi, Zami, vous m'en bafouka, Babi, kala, Kambo, minene, ya belle Yisraël. Bangata, etandare, ya belle Yisraël. Et quand il y a des gens qui sont là, ils sont là. 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 Ils Mais le motin, on a dit, Lévi. Lévi, on vous prévient, vous mettez en loi, il y a une couille de sacerdoce. Bakwata, le motin, on a dit, que Jida, on vous mettez en loi, vous mettez en loi, vous mettez en loi, vous mettez en loi. Bakwata, on a dit, que de Aser, Aser, vous mettez en loi, vous mettez en loi. Il a bantu pour vous battre Joseph. Bon, vous pensez ensemble. Zambi, vous m'avez dit, 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 vous Paka toi mou bloqué pour qui ni boile. Yuda na la mukale na bish. Paka toi mou bloqué. Mukale na bo yuda. Ba prophète ni ba patou ka bish. Paka toi mou bloqué. Ki bon ka ngambi ni Joseph musumidi. Nous ba mené ni Yesu uchidu sumile bantu tonne lel. Boussoumidi boutou tokle toutou bokle mou dimension di 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 shilane ma dimension ma kwa. Boualou boua, zambi ou doussoumile bish, zambi ou doussoumile kou bantou. Moukano zambi ou amen Moïse, ou vous mouy kale moustouma, boku fikula, délivré. Délivré signifie sauver. Joseph du Bambileni, Banabeto, Zambi Kudumuntu Mamabeo, Kinenoto. Alléluia. Joseph, au travers de toutes les difficultés qu'il a rencontrées avec ses frères, quand on a une difficulté à Gito, derrière cette difficulté, Joseph voit la grande main de Dieu. Joseph, nous, mon ami, pour une difficulté, Zambi, pour une moindre. Pour une moindre, ma moabéo. Zambi, pour une difficulté, de m'enfuir, ma moabéo. Pour une moindre difficulté, Zambi, pour une moindre difficulté, ma campagne. Banabeto, j'ai un ensemble. Handi chini matechi bomu viwani to. Kusanki diba duduku ina matechi bomu viweba to. Sanka padi ni matechi bomu viweba. Balu padi ni matechi bomu viweba. Zambi wini wutu mamalu waswa. Wakuma na moku kufikisha kada kampanda.
Joseph ni wambela bana babune. Ludi nwambe ni wuma wei ni kenako. Kano ena bambanya kabiri. Nji Josephu unwaka hana. Hallelujah. Hadi mumu mwani ni Josephu unwaka hana. Bana babo, konsiansa wapu. Udufa toka munda. Bana bana nikaba ibanjo kufika hapo. Josephu mumeno kumoneni abambana betu. Josephu mumeno kubajadika. Josephu nuwambani hana baheshe biajija. Nuangata mfranga ya habu nubahimjili. Bariba ambula mfranga bafimjili musaka ya habu. Bamana kuende chitu va Josephu dutu mamuntu. Uduwame ninda inu bakwata. Nubakale. Hadiba ya. Baba kwata. Baba kala. Basanga na mfang. Basanga na kup. Bahinga nini bintu wabi. Bariba tuajijo kuzakale. Teleja mudibamu. Bobu nkaya bariba tuajijo kwa manka. Bariba tuajijo kwa kulanga na munga chumwabu. Gibi mvumu nambilebi. Katufanyi mwane uto. Nudinu mwane ibionsi mwibito ezekelebi. Masha mwana anzambi. Ukani utulomba masha mwana. Divi nini Josephu wezele uko. Uji upense konsiansa wabu. Bwani konsiansa wabu. Avuluka bubi 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 kalabenzi. Wewe ni konsiansa. Zambi du pense konsiansa wabu. Wewe ni conscience, zangu ni pense conscience, bwani uvuluka, bodi bwani ni mweza, ubwana pato kukumpala kwa zangu. Badiba tojo kwa mba munga chumwa munga yaba. Lube, ni mwane ni ebu bwano, bujano masha Josephu wakati bubetulomba. Kibinfu munu ambili nukati shibe imane. Mvumu nwambile ni mashamu anaka kukuhamidi hetu. Josephu benza presyon. Bwani Josephu nwambane. Zambi muntu mokunu. Pour sauver la vie de beaucoup. Oh. Chena mwana vya u. Udi sauver. Bwani vubahesha. Blé yivubu bajeto. Bwadu bafu baje blé, bafu bafu akabiti. Kadi vi udi basove, Joseph wafikishi bana bahabu. Kujie revele, sekre uvu mwika la munda mwabu. Kujie enze yinu confession veritable. Kujie revenira la veritable repentance. Sese la la veritable vie que Joseph deve sauver pour se faire. Kimponde yivuba hato. Joseph de Bambili, je suis ici pour sauver la vie de beaucoup. Ajendai. Nous toi de l'homme, nous nous avons dit mamba. Nous nous de baye espion. Nous devons la bakotente que la boulot. Toblelela, katuwa nabalu bako tentaka labu labato, tutukwa mbile chabu shwane, muzu bumwe tutufidi kumibabidi, umewe tukena, nukadi nende nuja proshetu prede la verite mena. Vuvuza proshetu prede la veritable confession maintenant. Parce que fwe banamu duwambane, la veritable confession, c'est mettre les choses au point. Mettre les choses au point. Écoutez comment ils disent. Dis-je de demander que Dieu n'aie ou Dieu ne coupe pas que Dieu n'aie rien. Je crois que ceci empêche les gens. Je crois que ce qui empêche les gens d'être guéris,
C'est un manque de confession. Un manque de confession sincère. Je vais vous donner un exemple qui vous semblera peut-être un peu mauvais. Mais je ne voudrais quand même pas que ce soit le cas. Si j'allais vers une autre femme, que je la prenne dans mes bras et que je me mette à lui. Comptez flirter avec elle. Je saurai après cela que j'aurais fait quelque chose de mal. De très mal. Bien sûr, mon consolateur me gardera de faire une chose pareille. Mais j'ai fait une hypothèse. Disant si je faisais cela, ou quelque chose de semblable, je sais que la première chose à faire, serait de le confesser à ma femme avant même de le confesser à Dieu. Serait de le confesser à ma femme avant même de le confesser à Dieu. En disant, pardonne-moi, parce que c'est contre elle que j'ai péché. Si vous venez à l'autel et que vous vous souvenez qu'il y a quelque chose, mettez cela en ordre avant de faire votre offrande. C'est pourquoi je devrais d'abord aller vers ma femme. Je crois que la confession, c'est mettre les choses au point. Mettre les choses au point. Mettre les choses au point. C'est être clair. Dis ce qui s'est passé. Autrement, ce n'est pas une vraie confession. Confesser mal. C'est la même chose que de ne pas confesser. Vous devez faire une vraie confession ou ne rien confesser. Parce que confesser, c'est mettre les choses au point. Éclaircir les choses. Ne pas laisser les zones d'ombre. Dire les choses avec tout votre cœur. Vous me dites que diriez-vous si je disais, je vais confesser que j'ai fait le mal. Je dirais, Bon Seigneur. Oh, mon meilleur ami. Tu sais que je te connais très bien. Dieu soit loué. Alléluia. Zambia tumbishibu. Alléluia. Je pense que tu es un bien brave ami. Pardonne-moi. Tu sais, mon cher vieil ami, je ne voulais pas faire cela. Vous voyez, vous diriez que c'est un langage sacrilège. C'est vrai. Faire une telle confession serait un sacrilège. Si j'allais vers ma femme avec le même manque de gare et que je lui dis, ma chère petite femme, mère de mes enfants, nous sommes de vieux amis, que dirais-tu si je prenais une autre femme dans mes bras?
Qu'est-ce que tu penserais de cela? Est-ce que tu me pardonnerais? Je peux m'imaginer son attitude. Il penserait. Qu'est-il arrivé à mon mari? Vous comprenez? Il commencerait par se demander si je plaisante. Ce n'est pas ainsi que l'on va se confesser à son frère ou à Dieu. On y va avec une profonde sincérité. On y va avec une profonde sincérité. Avec la sainte affliction que nous cause notre péché. Il faut pour commencer que vous soyez vraiment affligé. Je dois aller lui parler et le lui dire. Ma chérie, écoute-moi. Ce que je vais te dire, voilà comment on doit confesser. Ou à peu près comment cela devrait se passer. Ma chérie, écoute-moi. Ce que je vais te dire, va peut-être changer les cours du reste de notre vie conjugale. Tu es la femme avec laquelle je vis. Tu es celle que j'aime. Que j'aime. Et pendant toutes ces années, dès cet instant, tu peux me quitter. Tu peux refuser de rester avec moi. Tu peux ne plus m'accepter. Et je sais cela. Mais il faut mettre les choses en ordre. Et il faut que je mette cela en ordre. Je devrais aller lui parler du plus profond de mon cœur. Je dois aller lui parler du plus profond de mon cœur. Voilà ce que je fais. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est là la vraie confession. Et cette vraie confession amène une vraie délivrance. La véritable confession vous délivre de votre péché. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas délivrés? Parce qu'ils n'ont jamais confessé la faute comme il fallait le faire. Ils n'ont jamais été affligés. Ils n'ont jamais senti le poids du péché dans leur cœur. Quand vous êtes affligés et que vous confessez comme il faut, la confession amène la délivrance. Et la délivrance, vous ne rentrez plus dans les mêmes fautes que vous avez fait. Parce que la confession était une confession sincère. C'était une confession véritable. Mais si vous y allez, oh écoute chérie, si tu y apprenais, non, ce n'est pas de cette manière. Écoute chérie, quand je suis allé à Kinshasa, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce que j'ai fait. Cette chose ici m'est arrivée. Je ne peux même pas vous regarder en face. Chérie, même si cela coûte mon mariage, cela coûte mon mariage. Mais je dois mettre ces choses au clair. Je dois mettre les points sur les i. Parce que je suis un candidat pour le ciel. Je dois aller au ciel. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui me retienne. Et quand Dieu voit une telle confession dans votre cœur, il envoie la délivrance. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la question de venir voir le pasteur pour lui dire: oh, pasteur, priez pour moi, j'ai un esprit d'adultère. Cet esprit ne partira pas par la prière, écoutez-moi. Commencez par confesser.
confesser comme il faut confesser. La véritable confession amènera la véritable délivrance. Vous n'êtes pas délivré parce que vous n'avez pas véritablement confessé. Nous pouvons nous réunir toute l'église. Crier, cela ne changera rien. Mettez d'abord les choses au pain. Jusqu'à ce que vous rentrez pour le dire à votre femme. Jusqu'à ce que vous rentrez pour le dire à votre mari. Pasteur, il va me répudier. Qu'il vous répudie, je ne vous répudierai pas. Pasteur, mon mariage va se casser. Que le mariage se casse. Vous avez notre mariage au ciel. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas de la religion. Mais c'est l'évangile. L'évangile délivre. L'évangile sauve. L'évangile purifie. Purifie le cœur des gens. Là où il y a l'évangile, il y a d'abord une véritable confession. Les frères de Joseph, 22 ans, ils allaient à l'église. 22 ans, ils payaient leur dîme. Ils pensaient qu'en payant le dîme, Dieu va pardonner leur faute. Dieu ne pardonne pas les fautes quand vous donnez de l'argent. Nous ne sommes pas dans une église catholique. Dieu pardonne les fautes à cause du sang de Jésus-Christ. Écoutez mes amis, le sens de ce message. Quand vous faites ce que le message est en train de dire, c'est le sang qui est aspergé sur vous. C'est l'expiation du sang sur vous. Voilà, vous devez faire une véritable confession. Une véritable confession. Ensuite, assise. Quand vous avez dit cela à votre femme, oui, je devrais aller lui parler du plus profond de mon cœur. Ensuite, je devrais aller dire la même chose à Dieu. Assise. Et à Dieu comme à elle, je devrais dire en toute sincérité que par la grâce de Dieu, je ne le ferai plus jamais. Vous comprenez? Vous devez venir jusqu'à Dieu, jusqu'à Jireh. Vous dites par la grâce de Dieu, je ne le ferai plus jamais. Je ne rentrerai plus jamais dans ces choses. 22 ans, ils ont gardé cela. 22 ans, ils entraient dans la maison de leur père. 22 ans, chaque soir, ils donnaient les offrandes. 22 ans, chaque soir il sacrifiait, il donnait des agneaux, il donnait des colombes, il donnait des brebis, il amenait chaque sorte des offrandes, mais ils gardaient les péchés dans leur cœur. 22 ans, ils n'ont jamais dévoilé les secrets. 22 ans, ils n'ont jamais dit ce qui s'était passé. Mes frères et sœurs, vous êtes affrontés devant le même problème. 22 ans de mensonges que vous avez gardé dans votre cœur. 22 ans d'adultère. 22 ans d'une vie morale. 22 ans de je ne sais de quoi que vous avez fait. 22 ans. Il y en a qui viennent ici à l'église, qui ont de petits amis gardés quelque part. Chaque fois. Oh non, non.
C'est l'enfant de ma table. C'est la femme de ma table. Pendant 22 ans, vous gardez une telle histoire. 22 ans. C'est cette chose-là qui va vous amener en enfer. Ce n'est pas l'évangile que beaucoup de gens aiment. Mais c'est l'évangile qui sort. C'est l'évangile qui te livre. C'est l'évangile qui nous fait pleurer. C'est l'évangile qui fait sortir les larmes de nos yeux. Alléluia. Alléluia. 22 ans. Il parlait de ça. 22 ans. Il parlait de fils de l'homme qui était venu. 22 ans. Il parlait de l'avenir du Seigneur. 22 ans. Il parlait de trois choses que le Seigneur peut faire. 22 ans. Il parlait de soucoupe volante. 22 ans. Il parlait du millénium. 22 ans. Il parlait de toutes ces choses. Mais ils ont oublié l'essentiel. Vous pouvez connaître toutes ces choses. Mais si vous avez un péché confessé dans votre vie, vous n'irez pas au ciel. Commencez par préparer le ciel ici sur la terre. Comment vous le préparez? Repentez-vous. Confessez vos fautes. Soyez baptisés. Pour recevoir la rémission de vos fautes. Et le Saint-Esprit descendra sur vous. 22 ans. Oh mes frères. Quand il venait à l'église, il sautait. Oh Dieu, fais ces trois choses pendant qu'il descend. Oh alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la vérité. Oh l'ange puissant est venu aujourd'hui. Oh alléluia. Alléluia. Oh nous croyons ces choses. Ce n'est pas seulement ça. Mais vous devez confesser vos pas. Vous devez regarder votre vie passée. 22 ans. 22 ans. Une fille morale. La Bible dit, ils ont oublié la confession de leur péché passé. Dans le livre de Pierre, ils ont oublié la purification de leurs anciens péchés. Ils ont oublié la purification de leurs anciens péchés. Dans le livre de Pierre. Laissez-moi prendre mes lunettes pour voir ça. De Pierre. Pétélo Mouibidi. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli. Il a mis en oubli. La purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli sa vie 22 ans passés. Il a mis en oubli ce qu'ils avaient fait. Ils pensaient que Dieu avait oublié ça. Ils ont tourné la page. Ils ont pensé que c'est fini, Dieu n'en parle pas. Dieu ne s'en souviendra pas. Oh mes amis, ne vous trompez pas. Dieu n'oublie jamais le péché. La seule manière pour Dieu d'oublier le péché, c'est quand vous le confessez dans le sang de Jésus-Christ. Et le sang et cette confession doit être une confession sincère, une confession profonde, sincère et profonde.
Et Dieu, et à Dieu comme à elle, je devrais dire en toute sincérité. Et par la grâce de Dieu, je ne le ferai plus jamais. Peut-être je pourrais le cacher à ma femme. Et qu'elle n'en saurait jamais rien. Peut-être que mes paroles la convaincraient. Oh, ma chérie, je ne connais pas ce problème. Peut-être que ces paroles les convaincraient. Mais elle ne convaincrait pas Dieu. Lui voit dans mon cœur. Et il le sait. D'autre part, ce ne serait l'affaire de quelques années que nous aurions encore à passer ensemble sur cette terre. Mais si Dieu le permet, puis nous serions de toute manière enlevés de ce monde. Mais avec Dieu, il s'agit de l'éternité. C'est pourquoi je dois être profondément sincère avec Dieu. Si je suis sincère, il m'écoutera. Mais si je ne suis pas sincère, il est inutile de lui faire perdre son temps à m'écouter. Si je suis sincère, Dieu m'écoutera. Mais si vous n'êtes pas sincère, Dieu m'écoutera. Il est inutile de lui faire perdre son temps. Parce que de toute la manière, il ne vous écoutera pas. Si vous voulez que Dieu vous écoute, et pardonne vos péchés, pardonne vos fautes. Vous devez commencer par être sincère ce matin. Soyez sincères. Ouvrez votre cœur. Et Dieu vous pardonnera ce moment-là. Dieu vous écoutera ce moment-là. Si vous n'êtes pas sincère, il est inutile. Il est inutile. Un jour, j'étais en train d'aller avec ma voiture. Alors, j'ai croisé un frère. Non, je l'ai vu devant mes femmes. Et il allait avec une femme comme ça, il s'était née. J'avais vu que c'était. Puis, j'ai fait une erreur ce jour-là. Au lieu de m'arrêter, je suis passé. Parce que j'étais pressé. Oui, après, je l'ai vu. Je l'ai appelé. J'ai dit, frère, voilà ce que j'ai vu. Non, non, pasteur. Ce n'était pas moi. Je dis, ok. Excusez-moi. Parce que j'ai eu la mauvaise pensée. Parce que je pensais que c'était vous. Pardonnez-moi. Je suis parti. Ces paroles peuvent me convaincre. Mais cela ne convaincra pas Dieu. Dieu lui voit. Dieu lui connaît. Vous pouvez expliquer, donner toutes sortes d'explications. Vous n'êtes qu'un rétrograde. Vous n'êtes rien d'autre qu'un hypocrite. Vous pouvez me mentir. Vous pouvez bien parler jusqu'à me convaincre que ce n'était pas vous. Je peux même commencer à douter de mes propres yeux. Pensant que peut-être je me suis trompé. Je peux dire oui.
Frère, pardonnez-moi. Vous pouvez aller faire les bras comme ça. Vous dites, oh, je l'ai eu. Je l'ai dribblé. Vous m'avez dribblé. Ah. Mais vous n'avez pas dribblé Dieu. Dieu lui voit. Dieu fera venir quelque chose sur vous. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens passent des moments difficiles, des situations difficiles, à cause de leur péché inconfessé. On prie dans ce sens. Ça ne va pas. On prie dans ce sens. Ça ne va pas. Vous pouvez aller d'une maison de don à une autre. Ça ne change pas. Je vous donne la vraie prophétie ce matin. Confessez vos péchés. Soyez sincères. Dieu vous écoutera. Dieu vous bénira. Parce que quand Dieu pardonne les péchés, une source de bénédiction s'ouvre pour l'individu. Vous pouvez donner toutes sortes de justifications. Toutes sortes de justifications. Mon mari, je te vois attaché avec cette jeune femme-là. Non. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'amour pour les frères. Vous voyez, moi, quand j'ai fait, il n'y a rien à moi. Il n'y a véritablement rien. Pour moi, c'est une soeur. Vous pouvez la convaincre. Mais vous ne pouvez pas convaincre. Dieu voit votre cœur. Dieu voit ce qui se passe dans votre cœur. Ce matin, si vous êtes une semence élue, saisissez l'occasion. Rentrez 22 ans dans votre vie passée. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Lévi avait la sacerdoce en lui. Lévi, vous venez voir qui est le monde en lui. Mais les filles, tu as la sacerdoce. Tu ne sais pas que tu es appelé à un rang supérieur. Tu ne sais pas que tu es appelé à un rang plus élevé. Oh les filles, Lévi, tu es appelé pour intercéder pour tes frères. Mais le gars de cette chose qui te tient dans la prison, regarde cette chose. Que tu n'as jamais corrigé. Lévi, Judas, tu dis que tu es une tribu royale. Le sceptre ne se relaya pas de Judas. Mais regarde Judas. Cette chose-là, tu as oublié ce que tu es. Mes frères et sœurs, vous avez oublié ce que vous êtes. Vous êtes la dame élue de Jésus. Vous êtes la semence royale de Christ. Vous êtes les élus de ce dernier jour. Mais voyez ces choses-là qui vous emprisonnent. Vous avez besoin de vous délivrer de ces choses. Ces choses ne doivent pas vous garder. Vous devez être sincère. Profondément sincère. Laissez-moi terminer maintenant. Vos paroles ne convaincraient pas Dieu. Lui voit dans mon cœur. Et il sait. D'autre part, ce ne serait l'affaire que de quelques années. Ce ne serait l'affaire que de quelques années.
Vous voyez que nous aurions encore à passer ensemble sur cette terre, si Dieu le permet. Puis nous serions de toute manière enlevés de ce monde. Mais avec Dieu, il s'agit de l'éternité. C'est pourquoi je dois être profondément sincère. Si je suis sincère, il m'écoutera. Mais si je ne suis pas sincère, il est inutile de lui faire perdre son temps. C'est là où les gens en sont aujourd'hui. Ils ne semblent pas avoir la profondeur de sincérité qu'ils devraient avoir. Je crois qu'un homme ou une femme qui vient pour que l'on prie pour son cas devrait premièrement confesser tout ce qu'il ou ce qu'elle a fait et mettre toutes choses en ordre. Parce que remarquez ce qui se passe ici sur la plateforme. Comme le ainsi dit le Seigneur peut aller loin. Vous comprenez? Vous voyez? Les visions se matérialiseront par la foi des gens. Les visions se matérialiseront par la foi des gens selon leur foi. C'est certain. C'est Dieu qui l'a promis par un don. On voit donc que celui qui se confesse doit le faire avec une profonde sincérité. Je n'ai pas le temps de vous en parler en détail. Mais je crois que c'était à Binghamton, près de New York. Cela s'est passé dans l'auditoire de l'Endicott Show Company. Endicott Show Company. Oui, c'est bien là. Nous étions dans la grande salle de la fabrique de souliers et du cot. Où nous avions une réunion. J'avais découvert comme un manque de sincérité dans l'ensemble. J'avais découvert comme un manque de sincérité dans l'assemblée. Je me demandais pourquoi. Je parle ici d'un homme en particulier. Cet homme était monté sur la plateforme et avait été guéri d'une grave maladie. Mais 5 jours plus tard, avant que nous nous en allions, la maladie était revenue. Parce qu'en présence du Saint-Esprit, cette maladie était sortie de lui. Exactement comme avec cette jeune femme ici dans la cour, il y a quelque temps, et ce jeune homme y ressort. Bien zambon son kaje ulisi ni son aluma urson bibliante comme ça mushala. Il faut qu'il y ait une profonde sincérité. Bilibi kele kui kala ji kala ni meje matoka di andondo mulle. Pour savoir que le Dieu qui peut ôter cela de vous peut avec la même onction les garder éloignés de vous. Bwa kumanyane zambi rimwa kumusha chintu chikudi sameri kudi urikamiri mwa kushala mulemira chisameri kudi. Quand vous êtes sincère. Haji ni meje matoka. Quand vous êtes profondément sincère. Haji ni meje matoka mondo no moywe. Et que vous confessez vos fautes. No tonde bile mabieba. Dieu peut vous guérir. Zambi rimwa kondo ha. Et garder aussi la maladie éloignée de vous. Ni kushala mulemira chisameri de la même manière quand vous confessez vos péchés et que vous êtes sincèrement profond, profondément sincère, Dieu peut vous pardonner et garder les péchés éloignés de vous. Il n'a pas seulement le pouvoir de pardonner, mais il a aussi le pouvoir de garder les péchés éloigné de vous. Mais pour qu'il garde
garde le péché éloigné de vous. Il a besoin que vous soyez profondément sincères. Amen. Amen. Vous comprenez? Et matin à l'aube, le Saint-Esprit me parlant disant, monte sur la plateforme là où tu dois aller et fais confesser à ces gens tout ce qu'ils ont fait avant de prier pour eux. Ça, c'est ma parole que Dieu a placée dans mon cœur ce matin. Monte sur la plateforme et fais confesser à ces gens tout ce qu'ils ont fait avant de prier pour eux. Parce que ce péché est confessé là. Bloque la propagation de votre vie. Bloque la bénédiction dans votre vie. Vous devez être sincère en confessant vos fautes. Il dit, fais confesser à ces gens tout ce qu'ils ont fait avant de prier pour eux. Vous voyez la profondeur de la sincérité. Si le monde ne se répand pas, il périra. Vous comprenez? C'est d'une confession que le monde a besoin aujourd'hui. D'une honnête confession. D'une honnête confession. C'est comme quand on vous donne un bol de médicaments. C'est comme lorsqu'on prend un médicament pour une maladie. Tout le monde peut lire sur l'étiquette de la bouteille de quel médicament il s'agit et pour quelle maladie il a été préparé. Mais vous voyez, pour ce qui est de lire le mode d'emploi, vous pouvez lire, vous pouvez savoir que c'était l'antibiotique, vous pouvez lire qu'il a été fabriqué comme ceci, comme cela, comme ceci, vous pouvez lire la notice, vous pouvez lire combien de fois on peut le prendre par jour. Mais ce n'est pas cela qui vous guérira. Si vous voulez être guéri, prenez ce médicament, vivez-le, appliquez-le, alors cela vous amènera la guérison. Il ne s'agit pas de lire la notice, mais il s'agit de prendre le produit et de le boire. Vous voyez, pour ce qui est de lire, je vais appliquer cela à la Bible. Nos écoles de théologie et nos séminaires ont toute la possibilité de lire toute la parole. Mais vous voyez, lire simplement le monde de l'emploi et la dose ne guérira pas la maladie. C'est le médicament qui guérira la maladie. C'est pourquoi il faut le prendre. C'est pourquoi un homme peut bénir. Je suis théologien. Comme vous pouvez dire, je suis dans le message. Rien ne sert de dire je suis dans le message. Mais il faut croire au message. Appliquer le message. Appliquer le signe. Appliquer le message. Prendre l'ordonnance. Boire l'ordonnance. Ou plutôt boire le médicament. Oh là là. La voie préparée par Dieu est
La repentance, la confession, et cela manifestera les résultats. Et quand vous confessez, portez le fruit d'une de la repentance et manifestez de la sincérité. Si vous avez cela, alors vous avez la bénédiction de Dieu ce matin. Les frères de Joseph, ils ont gardé le péché pendant 22 ans. Ils allaient à l'église, ils donnaient les offrandes, ils sacrifiaient, mais ils avaient des choses qu'ils avaient cachées. Ils avaient des choses inconfessées dans leur vie, bien qu'ils étaient les semences qui étaient prédestinées. Parce que la prédestination ne signifie pas croiser les bras, Dieu va tout faire. Mais la prédestination signifie que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Le même Dieu qui vous a prédestiné à la vie, il produit en vous le vouloir et le faire. La confession, la sincérité. Si vous avez cette véritable confession, et si vous avez cette véritable sincérité, c'est alors que Dieu peut vous écouter. Si vous ne l'avez pas, il est inutile d'essayer, parce que vous le faites perdre le temps. 22 ans, il gardait cela. Mes frères, ne vous contentez pas d'une religion, contentez-vous de l'évangile qui va purifier votre cœur. Et l'évangile qui va épurer votre cœur. L'évangile qui va changer votre cœur. Qui fera de vous que vous puissiez être un fils ou une fille de Dieu. Nous pouvons nous mettre dedans. Être profondément sincère. Allons tous à genoux. Le Saint-Esprit m'a dit, allez à la plateforme où vous devez aller et faire confesser à ces gens tout ce qu'ils ont fait avant de prier pour eux. Connaissez votre cœur. Vous pouvez me tromper, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu, lui, il voit votre cœur. Quand on dit, mettez-nous à genoux, si vous ne voulez pas vous mettre à genoux, vous pouvez rentrer chez vos frères. Si vous êtes assez fort et assez bon plus que Dieu, c'est mieux de rentrer chez vous que de ne pas obéir à ce qu'on dit. Quand
droite séculaire. J'ai longtemps erré sans guide.
Zambi wanyi Ndindokuji Mujinda jalelu Nimpekatu yanyi Nimatombo kanyi Pekatu yonsu yungu chimutonda Wewe uri mumwe na moyo wanyi Zambi wanyi Ndinkulomba chintu chimwe Kubukole bweba Lwaku ubrizempe kato imonda mwanyi Zambi wanyi Njimwenda mulubombo mutanchi mula Mudi indemo Njendi shemunda machanzo chema Sumila Nsulula Zambi wanyi Njimwana weba Kuleke dimpe kato ankokesha Zambi wanyi Mungu mudi ideba Bakula ba sincerite Mpa sincerite wabushua Bimvu chiyimweza Njina ana tebi hana jika Handi mpa tukamuabeu Bakule kubilo amolola Peshe bukula nzambi wanyi Ndimuso kushala mwana weba Mujina ya Yesu. Zambi tatu wetu. Ndindo kumpano kweba. Mudinde mujamelu. Ninkulomba. Ninkusengelela. Tangela mpekato mudi mutubeja mubufika. Atoto tangela bana baba ni Joseph. Biji mama kumia biji ni bibiji. Bana mabubi munda. Sola mprize di peche. Tolera entourage. Kaimu akumanye sekre uvubunenda. Zambi wa bukola bonsu. Mudinde mudialelu. Bonsu beribungu mukenjeru. Bika nani minji makana. Ubahesha bukola zambi wa mudulu. Ubahesha dikanda zambi wa bukola. Jakusuni di babu kubudi bubububa kwata. Bukula bukumpala kwata ni mwai waka nyina. Zambi wani. Nituende mulubombo mutanchi bulakai. Nitu soko kabubi mutanchi bulakai. Nitu imena kumpala kwa baba kukusoko mutanchi bulakai. Nasha mumuaba wabafwa. Wewe wudi umwana. Nasha benda mumundi jimbi walufu. Wewe wudi umwana. Takwena bwana busoko kababena tusoko la ibwa. Zambi wa mudiulu. Tunibasa kudishia hatoka. Bwana wewe mwana mwakutubenesha. Oh, zambi wa bukola. Mudinde mujalelu. Ndimkusengelela. Kubukola bwanyima weba wachijila. Wela mumyoyi ya bana beba. Bidibikengela kuderasine uderasine zambi wa bukola. Bidibikengela kushumbula ushumbula zambi wa mudiulu. Mudinde muzambi. Bosu mafumba kufika babubi. Masuni di mbomu di mbomu zambu wa bukola. Wewe ni wama ni panu pesha mwana mudi shika minyi. Nenu ikala mudi shika minyi mulelela. Mudi mbomu di alelu. Tudi masu kushana mudi shika minyi. Lwaku utukwachisha. Lwaku utuenzeja. Lwaku ikala habu ifinetu. Lwaku chanza chabu kola chitusukula.
loku brise vie yetu, loku sonde vie yetu. Zambi wa mujolo, zambi wa mkono bonso. Julo ledi nituroba kupita kumeseba, nitu kupita mshindu kai zambi wali. Niji ya mshindu kai zambi wali, nimioye ya mshindu kai zambi wali. Kibolo kai ninkulomba, ninkusengelela. Enze bwana buma mujinde mujalelu. Mujina ya Yesu, mumasha chijila, anga tenibi yetu yosu, pekatu yetu yosu, tunituele mwishu mamasha jina na jeba, zambi wa bukola, badikaba yini bukola, bahesha bukola bakuye kulongolola, badikaba yini dikanda, bahesha dikanda diakuye kulongolola, mabosu mwetu nilo lepoto afina na mwadewe, tuikana makezuka, Tuikala batoka, zambi wa mjolo, lua kumukale na wachende lenda, utupachisha bosu mwetu. Tuasikidila mfumu wetu, tuasikidila bambu jinda mjane, tuputupina shalumu, mutumu, chana, munema, nidufu, kuhuji munga mnitama ya bujumu, mjini na mfumu wetu Yesu Kristo. Amen.